Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va remplacer des plaquettes de frein sur un poids lourd. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Il fait très froid, là il fait 4 degrés. Donc on est là, ça caille vraiment là, ça caille. Mais quand même on est là, donc le client m'a appelé pour en fait remplacer des plaquettes de frein sur un poids lourd. Et là on est venu, donc voilà. Quand même malgré le froid, il fait très froid dehors. Là on va faire une pompe à eau, remplacement d'une pompe à eau là-dessus qui fuit l'eau en fait. La pompe à eau, ça se trouve là-dedans. Et aussi les remplacements des plaquettes de frein. Si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à s'abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dis-moi si vous aimez bien la mécanique poids lourd. C'est vraiment du lourd là les amis. Il fait très froid, très froid. Il fait 4 degrés là, mais on est dehors, on est là. On a un clic en fait poids lourd. J'ai levé le dessus, on a levé le dessus. Et là, on va déposer les roues, le pétard, la pneumatique. On va défaire les roues pour remplacer les plaquettes. Là, je vous montre mon camion d'épanage. Donc voilà, là c'est le camion d'épanage, c'est un camion atelier. Donc c'est le compresseur. Ça c'est mon compresseur. Donc voilà. Et après ça des outillages que j'ai dans le camion en fait. Voilà, donc on a des outils. On est bien outillés quand même, il y a pas mal des outils pour le poids lourd. Il y a un peu de PS, donc il y a un peu de PS quand même. On va caler le dessus maintenant. Il y a deux chandelles avant 2 tonnes. On va caler le dessus. On va enlever les roues. Là, on va remplacer la pompe à eau. Je suis en train de déposer le ventilateur. C'est les plaquettes de frein que moi je vais mettre sur ce camion-là. Voilà les plaquettes. C'est un peu plus gros que celle des voitures, hein. Ça change un peu la taille, donc ça fait quand même, tu vois. Voici la porte de secours d'un poids lourd. Si jamais le camion, il y a une roue crevée, donc voilà, ça il faut être tué aussi pour remplacer les roues. Voici les bonbons d'air parce que le camion on baisse. En fait, ça marche en air, il faut gonfler le camion pour marcher, c'est air qui passe à l'intérieur. Pour tout ce qui est freinage, on a besoin de l'air, donc ça c'est le bonbon d'air. Et ici, c'est les batteries, juste en dessous, tu as 2 batteries, 12 volts. Et voici la pompe à eau. Donc la pompe à eau, il fuit, donc c'est là, on va la remplacer cette pompe à eau aussi. Voilà, c'est la pompe à eau, celui-là, il est joli. Pompe. Oh. Donc voici le disque des freins et voici les plaquettes des freins. On va enlever le freinage, desserrer le frein. Il faut défaire le frein du parc parce qu'il y a un frein de parc, je vous montre. J'ai enlevé le frein de parc dans la cabine. Il y a Fun Park là, en fait voilà, donc c'est Fun Park là, il faut être desserré parce que là lui il freine, en fait il fait caler le véhicule, donc là
il faut tirer ses freins à main. Donc il faut bien caler le véhicule pour défaire les freins de parc et après relever le plaqué des freins. Les 10 plates, là on va défaire le desserrer le frein pour pouvoir enlever les plaquettes. Là, on a mis chandelle, on a bien calé le véhicule. Là on a mis le cric sur le pont, ça c'est le pont, ça c'est la transmission. Maintenant on va régler les plaquettes, régler les freins. On va régler les freins, Tu règles au bout, jusqu'au bout tu serres le frein et après il faut desserrer un quart de tour. Là on a mis un témoin, le régleur de frein. C'est ici en fait le réglage de frein. Voilà.
sur ce camion. On va brancher la valise. Il y a un code défaut moteur allumé. On va brancher la valise diagnostic. Voilà, la prise OBD. Et là-dessus. Voilà. Là, je mets mon interface. J'allume ma valise diagnostic poids lourd. On va mettre le contact. Là, je vais lire le code défaut. Voir ce qui m'affiche comme code défaut. J'allume le contact. Donc là, j'allume le contact rien au tableau de bord. Donc là, c'est le coup de batterie. Je crois qu'il n'y a pas. J'ai mis le coup de batterie et là, ça coupe en fait. Voilà. Là, j'ai courant. Donc là, c'est le deuxième camion qu'on touche aujourd'hui. L'autre, là, on vient de faire les plaquettes et la pompe à eau. Et celui-là, c'est un voyant défaut moteur qui s'allume. Et on va interroger avec la valise diagnostique. Donc là, on va dans truck. On va dans camion. On va dans le camion. La marque c'est Renault, c'est celui-là. Donc là, soit on fait interroger directement avec Lovin, on va voir si on trouve avec Lovin. Ah, les garçons, il y a sa machine à café, il y a tout. Hein. Il y a même son dodo, et là, le chauffeur, il a tout mis dans son camion. Là, on est à chercher. Là, il fait beau, hein. Regardez, 4 degrés aujourd'hui. Il fait froid, vraiment froid en France, les amis. Il fait vraiment froid. Donc voilà. On n'a pas trouvé avec le VIN, il faut qu'on va avec le numéro de série. Donc celui-là c'est une série D, série D, 7 tonnes à 25 à 26 tonnes. Donc on va là-dessus. Là je vais faire soit je fais un balayage complet avec tous les codes défauts, soit je vais dans l'injection. Je vais rentrer dans l'injection. Comme ça, je vais voir comme c'est un code défaut moteur. Je vais voir ce qui m'affiche dans l'injection. Donc là, il m'a donné le code défaut, 3 codes défaut capteur NOx. Donc j'ai des soucis avec une perte de communication avec le capteur NOx.